monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. On est donc jeudi et il est 10h moins le quart. Je ne vous ai pas repris depuis bonne heure ce matin parce que depuis ce matin, j'ai vraiment du mal à immerger. Vraiment beaucoup. J'ai trop mal de partout. Bref, c'est une journée sans quoi. Mais bon, en même temps, il pleut. Enfin, il a plu toute la fin de nuit là, sur vraiment bonne heure ce matin, un truc de malade. Quand j'ai entendu, ça m'a carrément réveillée et tout. Du coup, j'étais réveillée avant l'heure. J'étais réveillée, il était 5h15, je crois, un truc comme ça. Et du coup, j'arrivais pas à me rendormir après. Je suis restée couchée, mais j'ai eu du mal à me rendormir. Donc au final, je me suis levée. Ouais, il a bien plu. Il fait pas froid pourtant, mais c'est vachement humide. Et pour le coup, mon corps n'aime pas trop ça. Sans compter le big ménage que j'ai fait hier, que vous avez vu dans le vlog précédent, que j'avais tout fait, vraiment le bas à fond, même le frigo, tout ça. Vraiment, je me suis senti pousser des ailes, mais au moins comme ça, c'était fait. J'en profite quand j'ai un peu de regain d'énergie, because sinon, c'est la merde. Donc voilà, le chéri a gardé la voiture. Du coup, ma voisine m'a vite prêté la sienne pour amener vite Shirley, parce qu'elle commençait à 9h30, et comme ça, ça m'évite de ressortir à midi pour aller chercher le chéri, repartir l'amener cet après-midi. Parce que cet après-midi, il faut que je garde la voiture, étant donné qu'il faut que je récupère Shirley. Dans l'après-midi, je ne sais pas à quelle heure. Ma voisine en plus n'est pas là, donc elle ne pourra pas me laisser la voiture, je pense. À moins que je demande à ma voisine d'à côté, je ne sais pas. Je verrai bien. Ça va être pas mal de repos aujourd'hui. Maurice est en train de faire son petit taf tout seul comme un grand. Et moi, je pense que je vais, je vais pas mal me reposer. Là, je pense vraiment que mon corps il a besoin de récupérer de ma folie là d'hier. Il faut que je me détende un peu la nouille. Mais voilà, quand j'ai le regain, comme je vous disais, du coup, j'en profite pour faire tout vraiment à fond de ce que je veux faire. Et que comme ça, moi, je suis tranquille, quoi. Et au final, de toute façon, après, c'est toujours pareil. Donc, bref. À part ça, je vais bosser un petit peu. Là, je suis en train de finir de monter le vlog. Enfin, pas de monter, mais de faire la barre d'infos, miniature, tout ça, du vlog que vous avez vu juste avant. Comme ça, je le programme, vu qu'il sort cet après-midi. D'ailleurs, petit point pour ceux qui n'auraient pas percuté. Il y a un vlog tous les jeudis et tous les dimanches. Et si j'ai des vidéos à vous mettre entre-temps, je vous les mets entre-temps. Ce qui sera peut-être le cas du retour de course, parce que je dois aller faire les courses. Je devais aller faire les courses aujourd'hui, mais du coup, j'aurai pas le temps cet après-midi, puisque je dépose le chéri, mais il faut que je récupère Shirley. Je ne sais pas trop à quelle heure. C'est toujours ça en fait, c'est que comme elle a pas les horaires fixes, je sais jamais trop à quelle heure elle finit, donc je peux pas trop prévoir de choses et je peux pas être dans les magasins et qu'elle m'appelle et me dise maman, c'est bon, j'ai fini, viens me chercher. C'est pas possible, je peux pas me partager en 15. Donc je pense que j'irai peut-être demain matin. Je garderai la voiture demain matin et puis j'irai sûrement demain matin. Ça me laissera le temps aussi de me faire une petite liste. Là, c'est vraiment pour finir le mois. Il nous reste quoi, 10 jours du coup. Je ne sais même pas le combien on est. On est le combien d'ailleurs? On est le 21. Ouais, donc il nous reste 10 jours. Ça va quoi. Donc, je vais prendre pour 10 jours. Ça nous fera peut-être plus que 10 jours. Quoique, il y a les vacances là à partir de la fin de la semaine. Donc, il y aura les loulous midi et soir. Donc, il faut que je prévoie d'ailleurs. Il faut que je prévoie que dans les repas du midi, il y a les loulous. Voilà. Donc, ça, ce sera plutôt pour demain. Je pense que je vais vraiment reposer mon corps aujourd'hui. Et comme ça, demain, je serai peut-être plus en forme pour faire les courses. Parce que là, je me dis, mon Dieu, si tu rajoutes ça en plus par-dessus, demain, je crois que tu peux plus bouger. Même de respirer fort, en fait, ça me prend en haut du dos. C'est une catastrophe. C'est trop relou. Mais bon, c'est la vie, ma pauvre Lucette. Donc, voilà, je finis cette barre d'infos. Et ensuite, je me mets en priorité sur mon visuel pour la peau. Je veux le finir aujourd'hui. Donc, je me mets là-dessus. Et une fois que j'aurai fini ça tranquille, je rattraperai les formations auxquelles j'ai pas pu participer. Et comme ça, au moins, c'est en replay. Et je rattrape tout ça. Hier, on nous a annoncé un challenge de fou. Et que je suis trop contente parce que il me reste 350 points seulement avant d'atteindre le niveau gold ce mois-ci. Et autant vous dire que c'était vraiment le truc que je m'étais fixé, mais sans y croire du tout, parce que je me suis dit, mais jamais de la vie t'arriveras à ce niveau-là. Dès le premier mois, tu rêves, Cindy. Et franchement, j'en suis à 350 points. Ça me paraît complètement dingue. Vraiment, j'espère vraiment l'atteindre avant la fin du mois. Donc, il ne me manque pas grand-chose de commandes. Au final, s'il y a plusieurs commandes qui s'enchaînent, même si ce n'est pas des montants de fou, avec un peu de chance, je vais y arriver. Je croise les doigts, mais comme jamais. En plus, du coup, vu que j'ai déjà atteint le niveau silver, je vais avoir droit à une formation de folie qu'on va nous donner.
Parce qu'elles, elles ont fait des formations qu'elles ont payées, bien évidemment, de développement sur Instagram, tout ça, tout ça. Et elles vont tout nous apprendre lors d'une formation qu'on aura le droit à avoir juste nous, en fait, les personnes qui atteignent le silver d'ici la fin du mois, chose que j'ai déjà atteinte. Donc, en fait, je suis déjà qualifiée pour le truc. Donc, j'ai tellement hâte de participer à cette formation. Ça va m'apprendre plein de choses parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, vous, si vous êtes sur Instagram, mais depuis qu'ils ont revu leurs analytiques, tout ça, là, enfin leurs algorithmes plutôt, pardon, c'est une catastrophe niveau visibilité. Je suis complètement coupée de ma visibilité sur Instagram. Mais genre, mes stories avaient presque 1000 vues. Je suis à 350 vues. Imaginez, c'est plus de la moitié. Je ne sais pas ce qui se passe. Franchement, Instagram, ils nous font chier en ce moment, un truc de fou. Bref, il n'y a pas mort d'homme, mais c'est très chiant quand on se développe sur les réseaux, bien évidemment, qu'on soit coupé comme ça de visibilité. C'est comme YouTube, hein, souvent ça arrive aussi. On a plein de vues et d'un coup, on se demande qu'est-ce qui se passe, on n'a plus de vues. Les gens ne regardent plus les vidéos et tout, alors que tout le monde nous dit « Ah, mais c'est bizarre, je reçois pas, je les vois pas. » Et en fait, ils nous coupent la visibilité. Ah là là, je vous jure maintenant, si vous n'avez pas 1 million d'abonnés, je crois que vous êtes du gros caca pour les plateformes en vrai. Bon, on s'en tamponne, on fait ce qu'on aime et c'est l'essentiel. Bref, je m'y mets parce que sinon, je n'aurai pas le temps de finir ce que je veux dans la journée. Bon, les amis, je suis allée faire deux petites courses rapidement, mais vraiment genre rapidement. Je finirai demain pour tout ce qui est vraiment... Repas, là j'ai repris tout juste, comment dire, fromage, yaourt, gâteau du matin, la lessive parce que j'en ai plus du tout, sopalin, tout ça. Bref, je vais vous commencer le retour de course et ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus, je suis au taquet, je suis surexcitée depuis tout à l'heure, mais un truc de malade, vous imaginez même pas. En fait, maintenant que j'étais en course, il y a Jolie Moi qui a fait un live sur notre groupe de stylistes beauté. Et qui nous ont annoncé une méga, méga surprise. Moi, je suis trop contente parce que là, c'est la période que j'aime beaucoup de l'année. La période de Noël, tout ça, franchement, j'aime trop. Et donc, ils nous ont annoncé que là, c'est déjà mis en place. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez. Ils ont commencé à mettre en place justement plein de petits coffrets pour Noël, d'idées cadeaux. Il y a aussi des produits à l'unité, mais dans des grosses boules, vous savez, pour mettre sur le sapin, etc. Juste trop, trop joli, c'est trop mignon, ça, j'aime trop. Les prix sont trop cool. On peut franchement faire un petit cadeau pour pas grand chose et tout. J'ai trouvé ça juste trop bien. Et ils nous ont annoncé que tout le mois de novembre, ce serait comme ça aussi. Donc là, vous pouvez déjà apercevoir en barre d'infos, je vous mets des liens, comme je vous ai dit, ce qu'ils ont mis déjà en place. Et tout le long du mois de novembre, on aura comme ça des petits produits qui vont se rajouter tout au long du mois de novembre jusqu'au mois de décembre. Je trouve ça trop, trop bien. J'aime trop. Ça donne plein d'idées cadeaux. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelque chose pour prendre soin de soi en plus. Donc ils sont trop top. Je suis trop contente. Bref, je vous tourne le retour de course. Je me dépêche parce qu'après, il y a Alison et Myron qui rentrent. Et après, ce sera l'heure d'aller chercher Maëlys, d'aller chercher le chéri, d'amener Myron au basket. Enfin, la course de fin de journée. Bon, les amis, j'étais en train de ranger mes courses, de faire le haul quand j'ai été appelée par le collège de mon fils. Parce que une élève m'a mis une claque. Je vous explique même pas comment je suis partie comme une furie au collège. Donc j'ai été reçue par la proviseur adjointe et la CPE. Principale adjointe et la CPE. Et Madame Brière. Et en fait, ben, ils étaient devant la salle de classe et il a marché sans faire exprès sur le pied d'un copain. Donc le copain l'a poussé un peu en arrière, sauf que ben, Myron, sans faire exprès, il a tapé dans une jeune fille qui était derrière lui. Et elle a commencé donc à le pousser et tout, donc ben, il a repoussé. Et il lui a mis une claque phénoménale. Donc il est bien rouge hein, sur tout son côté. Donc, je leur ai dit qu'il y avait intérêt à avoir une sanction parce que, bon, il se fait pousser, il n'y peut rien, il n'a pas fait exprès, il est parti en arrière. Enfin, voilà, en même temps, il n'y a pas lieu de lui mettre une claque. C'est un peu disproportionné comme réaction, donc c'est exactement le terme qu'elles ont employé aussi. Et que, par contre, je ne laisserai pas passer, donc que la gamine a intérêt, par contre, à être sanctionnée parce que sinon, ça ne va pas le faire. Donc, il en saura plus, je pense, demain, hein, plus de peur que de mal. La jeune fille, de toute façon, s'est tout de suite excusée. Elle lui a dit « Je suis désolée, Myron,
Je pensais pas que genre ça allait partir aussi fort ou j'en sais rien quoi, bref. C'est pas une raison. Voilà, je t'explique. Donc voilà. Plus de peur que de mal, comme je disais. Sur le coup, j'ai eu peur là, parce qu'avec tous les hashtags 2010, machin, nanana, je lui demande régulièrement s'il n'est pas emmerdé, si on ne le fait pas chier, si et là, parce que ça, c'est un truc. Alors, moi, je deviens une dingue, franchement. Je crois que là, il n'y a personne qui me reconnaît quand il y a des trucs comme ça me rend complètement ouf. Je pourrais leur mettre une claque au gosse, quoi. Franchement, je le dis, hein. J'ai pas honte de le dire, mais bon, à un moment donné, l'éducation, il faut qu'elle soit faite aussi, et le respect des uns et des autres, je n'accepterai pas que mon fils fasse ça, donc je ne veux pas qu'on lui fasse non plus, ça paraît un peu logique en même temps. Donc bref, voilà, l'essentiel est que il a pas grand-chose, voilà, elle s'est excusée, il m'a dit, elle avait vraiment l'air sincère quand elle s'est excusée, je pense que la claque est partie plus vite que ce qu'elle aurait voulu, mais comme je le répète encore une fois, c'est pas une raison, voilà, il faut pas prendre les autres pour des punching balls. Il a été poussé en arrière, il n'a pas fait exprès de lui taper dessus en reculant, quoi. Je veux dire, c'est pas comme s'il lui était rentré dedans volontairement ou quoi que ce soit. Donc voilà, incident clos, on va lui mettre comment ça s'appelle? De l'arnica. Et puis voilà, ça m'a vraiment mis un coup de chaud et tout. Hein. Je vous assure que la voiture, elle a fumé, hein. Pourtant c'est juste à côté, hein. Mais je vous garantis que vraiment, vraiment, ça a fumé. Ah ouais, je suis arrivée hyper vite, ouais. Mais ah non, vraiment, ça m'a monté vous savez, le haut de cœur là que ça vous prend. Bref. Donc, bah écoutez, voilà, je vais attendre qu'Alison finisse. Et puis, je vais m'avancer pour la rejoindre. Allez, téléphone, rallume-toi. En plus, j'ai mis un message vocal au chéri. Je lui ai dit en 2-2, le téléphone s'est éteint au moment où je lui ai envoyé. Je sais même pas s'il l'a eu, je sais même pas si quoi que ce soit. Donc, j'espère qu'il sera pas en panique. Autant il a essayé de m'appeler ou quoi. Bref. Tu veux sortir toi? Allez, go! Let's go! Allez, on va redescendre la pression parce que là, je peux vous dire que ah, mon déo marche très très bien. Je suis en sueur, vraiment. Et ça sent très bon. On vient de déposer Myron au basketouze. J'ai récupéré mon petit homme qui m'a récupéré un petit truc. C'est pour mettre au canapé, pour poser le téléphone, l'ordinateur dessus, comme ça au moins c'est en hauteur et tout. Et j'aurais pas mal au cou. Et du coup, ça s'allume, c'est bien parce que ça s'allume. Vous savez, ça fait ventiler quand il fait trop chaud. Donc des fois, quand je l'entends faire ouh, que se met en marche, on dirait qu'il va s'envoler le machin. Et ben au moins, c'est. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Place pour le café. Parfait. Le taille. Parfait, parfait. Plus qu'une demi-journée de même, mon petit homme, après, ça y est, c'est fini. Donc voilà, bref, Maïlys, elle est partie à la douche du coup du temps. Alison, elle est en train de finir ses devoirs. De toute façon, dernière journée après, c'est les vacances. C'est une flemme, mais je me sens fatiguée ce soir. C'est un truc de fou. Oh my God, j'ai fini tous mes visuels que j'ai mis sur Insta, ça y est. Et c'est cool. Franchement, je suis trop contente de tout ce qu'ils ont mis en place là. Ils ont mis plein de coffrets de Noël et tout, avec des genre de grosses boules avec à l'intérieur, tu as un produit, tu mets dans le sapin et tout. C'est trop mignon. Je vais me prendre des trucs pour moi aussi. Je vais me prendre des trucs. Bon, allez, du coup, on vous laisse. On vous retrouve demain. Et puis voilà, à demain. Et coucou, vous, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, j'ai la tête dans le cul, je vous le dis concrètement. Je suis complètement éclatée. Je n'arrive pas à y arriver, on va dire. C'est un truc de fou. Je me sens mais vidée, vidée, vidée entre, je pense, la planning qu'il y a eu, entre les vilaines qui arrivent. Là, je crois que je suis au fond du seau. J'aurais qu'une envie, c'est de me poser, de rien glander. Mais ça, c'est pas possible. Donc, on s'active et ça va le faire. Les loulous sont tous à l'école, etc. Charlie commence qu'à 10h30. Le chéri ne bosse pas ce matin, il bosse que cet après-midi. Et après, c'est fini pour ces 3 semaines. Donc, ce sera de nouveau recherchage d'autres choses. Le plus compliqué, c'est qu'il n'y a qu'une voiture. Hein, parce que moi, il me la faut pour amener Charlie, pour aller la chercher, etc. Donc, c'est vraiment ça le point noir. Quoi. On ne peut pas chercher un truc genre un peu loin parce que sinon, c'est la galère. Mais on trouvera. Franchement, voilà, on ne désespère pas. Positive attitude. Et je vous disais que donc, tout le monde était à l'école. Dernier jour, d'ailleurs. Après, c'est les vacances.
Et je suis en train de chercher les clés de ma voiture. Je crois que c'est le chéri qui les attend. Non, ah non, il les a mis là. Ça va. J'ai juste amené Shirley à 10h30. Et puis voilà. Cet après-midi, je mettrai Maurice. Mais voilà, cet après-midi, comme ça, au moins, là, je galère pas à devoir tout secouer, lever et tout. J'ai pas le temps. Il faut vite que j'aille à la banque. J'en ai pour 30 secondes. Mais voilà, il faut que j'y aille. Donc, let's go. J'y vais. Bon, du coup. Je suis revenue de la banque depuis un bon moment. Mais j'ai fait l'aspi. Je me suis occupée du 3 tonnes de linge. Et le chéri, du coup, s'est réveillé aussi entre-temps. Il ne travaillait pas ce matin. Plus que cet après-midi, après ça y est, c'est fini. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre en plus ce matin? Un truc de fou. J'en ai pleuré dans la voiture en allant à la banque. Je suis allée sur mon application et je vois Job Start, machin. J'ai explosé en même pas 30 jours, on a 60 jours normalement pour le faire. J'ai explosé le Jobstar, j'ai fait plus de 2000 euros de chiffre d'affaires. J'ai tout débloqué. Je l'ai explosé! Je l'ai eu? Non, pas encore le truc or. Pas encore, il reste quelques jours, je m'accroche. Il me reste pas grand-chose hein, pour l'atteindre ce niveau gold là. Franchement, je croise les doigts. Il me reste quoi, une semaine avant la fin du mois là? Je croise les doigts, mais comme jamais. Bref, mais rien que déjà avoir explosé le Jobstart comme ça, c'est énorme. C'est grâce à vous tout ça, à toutes celles qui ont passé commande, même si c'est que 20 euros de commande, même si c'est 170 euros, même si c'est 30, 40. On s'en fout en fait, ça me fait avancer et je suis trop fière. Pour une fois dans ma vie, je crois que je suis fière de moi en fait. Je vais pouvoir faire fermer la gueule à certaines personnes, surtout qui pensaient que sans eux je ne serais rien, que voilà, je ne saurais pas faire vivre mes enfants. Franchement, un grand merci à voilà, toutes les clientes là qui m'ont passé des commandes. Il y en a plein qui me disent, Cindy, moi je te commande au début novembre. Vous êtes tous au taquet, même sur Insta, je reçois des messages privés, c'est trop mignon. Et puis j'aime ça, j'aime trop en fait. Je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Là, j'ai regardé deux formations justement pendant que je faisais un peu le ménage et tout. J'ai mis des écouteurs et je regardais les formations, mais des trucs trop puissants. On a une leader, une top leader, qui nous a partagé son évolution en fait. C'était trop touchant. Je vous jure, mes larmes, elles sont coulées toutes seules. Parce qu'il y a plein de choses dans lesquelles je me retrouvais en fait par rapport à ses enfants, par rapport à tout ça. Mais elle, voilà, dans les anciennes sociétés où elles étaient, elle a généré des 80 000 euros par mois, hein, passé un moment. Enfin, c'est une femme formidable. Non, mais vraiment, c'était hyper, hyper touchant et du coup puissant parce que ben, ça nous gorge, nous aussi, d'énergie. Et comme elle disait, l'important dans ce métier-là, en fait, c'est déjà ben, d'aimer le relationnel, tout ça. Évidemment, autant vous dire que c'est la kiffance, le bien-être, tout ça aussi, bien évidemment. Mais c'est aussi avoir un gros pourquoi, en fait, et se dire pourquoi. Pourquoi je veux réussir dans cette industrie? Pourquoi je veux me donner à fond? Pourquoi je veux réussir à toucher des étoiles et tout? Et moi, c'est pour mes enfants, pour leur apporter le meilleur, pour... Je sais pas, pour qu'ils soient fiers de moi et que, ben ouais, que je leur apporte le meilleur, tout simplement. Donc, je crois que j'ai le plus motivant des pourquoi, enfin pour moi en tout cas. Il y en a que ça va être pour se prouver ci ou se prouver ça. Moi, j'ai pas besoin de me prouver quoi que ce soit, j'ai juste besoin de me donner à fond et de leur apporter le meilleur et la vie qu'ils méritent parce que ben, ils n'ont rien demandé, hein. Tout simplement. Bref, voilà. J'en ai marre de pleurer pour rien tout le temps. Mais c'est chiant, ça m'énerve. Bon bref, donc voilà, c'était un très très beau live qu'elle nous a fait. Qu'elle se confie comme ça à nous et tout sur son parcours, sur ce qu'elle a vécu, de plein de choses et tout. C'était franchement bien. Donc, je vais finir de plier mon énième sac de linge. Voilà, parce que ça se fait pas tout seul. Là, j'ai mis aussi du linge. Il y en a dans le sèche-linge. Et j'arrive au bout. Ça y est, là, il y en a une autre qui tourne, une autre qui sèche. Et je serai à jour dans le linge. Je me suis dit, au moins comme ça, je suis tranquille. En plus, Alison, il va falloir qu'elle amène ses affaires puisqu'elle va chez Morgane, normalement, à partir de dimanche, pendant 4 jours. Autant vous dire à quel point elle est surexcitée. Voilà. Et en plus, moi, je sais qu'elles vont avoir des petites surprises et tout. Donc, voilà. Je sais qu'elles vont se régaler. Bref, franchement, elles se sont bien trouvées toutes les deux aussi. Ça fait plaisir puisqu'Alison, du coup...
Elle est comme moi quand j'étais petite, en fait. Elle est souvent dans sa chambre, dans son univers. C'est son petit univers. Elle est dans son monde à elle, en fait. Et avec Morgane, elles se sont plus que bien trouvées. Et elles s'apportent grave toutes les deux. Quand on les entend toutes les deux des fois, on rigole parce qu'elles sont au taquet. Genre, en fait, on dirait qu'elles vivent ensemble, mais par écran interposé. Voilà, genre, des fois, on a Morgane à table avec nous. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais c'est trop mignon. Jusqu'à dimanche, je crois qu'elle va nous saouler, en fait. Il aurait dû avoir école jusqu'à dimanche. Et puis, elle va finir, d'ailleurs, à midi, elle finit, elle là. Enfin, voilà, moi, j'ai fini ça. J'ai fait l'aspirateur. Je voulais mettre Maurice à la base, mais, franchement, Phoenix en soi. Putain. Les pieds ont fait... Et ouais, je voulais faire juste Maurice aujourd'hui, tranquille, mais Phoenix perd ses poils de fou, ça y est, on est en plein dedans, ça va être encore l'enfer. Cet été, ça allait quand même un petit peu mieux, ses poils, ses pertes de poils, tout ça, mais là, c'est reparti, il est perd par... c'est par vague, quoi, c'est un truc de fou, puis il a ses yeux tout rouges encore de nouveau. Même sous son menton, il est tout rouge. Enfin, on voit que les allergies, elles sont de nouveau là, au taquet, quoi. C'est franchement pénible, mais bon, c'est comme ça. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas le tondre, je vais pas l'épiler, pauvre chien. Donc, après, ça serait bien, c'est clair. Non, mais bon, voilà, cet après-midi, je pense que je vais avancer encore sur quelques formations. Non, d'abord, je vais finir mon truc de peau, parce que ça y est, il est quasiment fini, là. Donc, ça fait je sais pas combien de jours que je vous en parle. Et comme ça, moi, je le balance à toutes mes clientes, que ce soit cheveux ou peau. Je vous mets ça en PDF et je vous envoie ça par mail, que vous ayez commandé ou pas commandé. Hein, ceux qui sont dans ma truc de clientèle, je vous envoie à toutes. Comme ça, vous allez voir, c'est super intéressant pour vraiment apprendre à connaître son type de peau, son type de cheveux. Parce que des fois, vraiment, on croit avoir un type de peau bien précis et c'est pas du tout ça. Il y en a beaucoup qui font l'amalgame aussi que quand on a une peau grasse, peut-être, il ne faut pas l'hydrater ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est hyper important d'hydrater sa peau, même quand elle est grasse. Enfin, vraiment, il y a plein de... Moi, j'ai appris plein de choses dessus et j'ai kiffé ces formations et tout qu'on a eu. Donc voilà, si je peux vous en faire profiter, écoutez, c'est toujours ça. Et voilà, tout simplement. Normalement, là, il devrait avoir deux personnes qui intègrent mon équipe début novembre. Donc, je sais pas, j'attends de voir. Mais en tout cas, elles étaient bien motivées à, elles aussi, changer de style de vie et d'avoir cette liberté qu'on a dans ce métier-là. Enfin, voilà, bref, je kiffe, je surkiffe, je peux tout concilier. J'ai une liberté, comme je disais, juste énorme pour... Pour moi, c'est trop important, en fait. Continuer à être là. Regardez, hier, Myrnie s'est pris une claque et j'ai pu débouler au collège directement. T'as un salarial, tu fais comment? Tu sais même pas, limite, que ton fils, il a pris une claque parce que, des fois, tu peux pas avoir ton téléphone, quoi que ce soit. Non, moi, c'est trop, trop important que je puisse continuer à être là, etc. Pour eux, franchement, je sais que je suis à ma place. Je sais que je suis à ma place et je sais que surtout que je suis aussi dans la bonne société parce que... il faut être épanoui dans la société avec qui on est et ils ont un énorme potentiel. Bref, voilà. Je vais regarder qu'est-ce qu'on va manger. Ce sera pas mal parce que je ne sais pas. Et puis après, je vais d'abord continuer à plier mon linge. Ça va me prendre 2 minutes. Et après, je vais regarder ce qu'on va manger. J'en ai aucune idée. Attends, je fais une salade. Il reste des boîtes de thon, non? Je crois qu'il reste de la salade. Il reste même peut-être du maïs. Tu me fais mal, Phoenix, vraiment. Je sais pas. Ah, il reste peut-être de la purée pour Allison. Donc elle va pouvoir manger la purée et le jambon. On verra. Bon, je viens de récupérer Myron, ça y est, c'est les vacances. Donc, trop content, ça y est, il n'y a plus que Maëlys à récupérer. Ensuite, c'est les vacances, enfin, pour eux, parce que je suis allée la semaine prochaine, il faut que je me lève toute la semaine parce qu'elle a cours. Mais voilà, eux, c'est les vacances. Plus que Maëlys a récupéré et c'est good. J'ai reçu mon colis. Mon nouveau colis de chez Jolie Moi, que je me suis fait ma commande la dernière fois avec mes petits bons de mon Jobstart. Du coup, je vais vous faire voir tout ça après. Il faut que je le fasse voir aussi ce soir, soit en IGTV, soit en live, je sais pas, sur Insta. Je vais voir les sondages, ce que ça aura préféré. Et puis voilà, on a aussi les... Place du Beauty Tour, ça y est, j'ai ma place, donc c'est bon, je suis trop contente. Je sais même pas si je vous l'avais déjà dit ou pas, c'est pas grave, je m'en rappelle plus. Allez, je finis mon truc de peau, il me reste une fiche, je crois, à noter sur le visuel. Et après, comme ça, je m'occupe de l'envoyer à mes clientes. Et puis, je vais vous envoyer un petit message aussi, savoir un petit peu où ça en est avec vos commandes, si vous avez bien aimé les produits, ce que vous en avez pensé, parce que j'aime bien avoir vos retours, soit bons ou mauvais, peu importe. C'est très important pour moi. Donc, voilà. Oh,
J'ai mal aux fesses, je suis allée chercher ma Yorla en vélo, je vous jure, j'ai mal aux fesses. Le vélo du chéri, il est vraiment trop haut pour moi, même si la selle, elle est baissée à fond. Du coup, je touche à peine par terre, juste la pointe des pieds. À chaque fois, je vous explique pas, j'ai l'impression d'avoir la selle qui rentre dans le popotin. Demain, je vais encore avoir mal au nuque. Allez, je déballe tout ça avec vous rapidement. Et comme ça, après, je m'attaque à finir mon truc de peau, tout ça, tout ça. La meuf, elle arrache tout parce qu'elle est trop, joie, elle est trop pressée. Donc, mon petit bon de livraison qui est là. Alors, j'avais fait J'avais fait un sondage, je vais y arriver, sur Insta pour savoir. J'avais plusieurs idées en fait de produits que je voulais tester et je voulais savoir qu'est-ce que vous aimeriez vous aussi du coup que je teste pour vous. Donc j'ai fait des sondages, choisir entre ça et ça, ça et ça. Et donc j'ai pris là où les questions se posaient le plus. Donc pour commencer, j'ai pris des petits gummies de chez Birdie. C'est les Be Hempy. Donc c'est vraiment pour le bien-être, la relaxation, c'est à base de CBD. Donc j'avais très très hâte de tester ça parce que j'ai hésité. Je me suis dit je commence d'abord par ça et ensuite je pense que je prendrai les gouttes, vous savez l'huile de CBD carrément qui a de la marque Ocaran sur notre boutique. Parce que mon médecin m'a conseillé pour la fibro, etc. De tester parce qu'apparemment ça avait vraiment des super effets et donc c'est quelque chose que c'est sûr que je testerai. Je me suis dit que j'allais commencer tranquille et donc je vous avais demandé si vous préfériez que je prenne ça. Alors l'infusion à la CBD qui a de la marque Ocaran, je vous avais proposé entre ça ou l'infusion et vous aviez choisi ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui va venir relaxer, c'est au goût. Citron, j'adore le citron en plus. Donc c'est un demi par jour, il y en a pour un mois d'utilisation. Franchement, il y a pas, c'est pas quelque chose de calorique ni rien du tout. Il n'y a pas plus de calories que dans deux framboises, dans un petit bonbon. Donc autant vous dire que c'est très très bien. Et donc il y a marqué gummy à la base de CBD molécules star et non psychotropes. Très important. Ça apporte la sérénité au quotidien, etc. Il y en a qui ont vraiment vu de très bons résultats. Donc voilà, je testerai et je vous en dirai bien évidemment des nouvelles. Ensuite, justement, de la marque Ocaran, j'ai pris le sérum régénérant. Voilà, c'est le Cannabooster Reboot. Non, mais je vais pas l'ouvrir. Je vais pas l'ouvrir parce qu'après, du coup, je vais pas le découvrir en live sur Insta et s'ils veulent que je fasse un live, j'aime bien voilà découvrir vraiment. Ensuite, je me suis pris un pinceau. Donc celui-là, c'est pour mettre l'anticerne ou le correcteur pour venir vraiment tapoter dans votre creux de l'œil, etc. pour qu'il y ait une super finition, que ce soit super bien appliqué, sans trace ni quoi que ce soit. Et donc, c'est celui de chez MAC. C'est le 270S. Donc, il a l'air vraiment bien parce que vous savez, il a l'air de vraiment bien épouser le creux. Je disais donc, ma caméra s'est cassée la tronche, qu'il a l'air de bien épouser le creux qu'on a là au niveau de la cerne. Donc, on verra bien. Et ensuite, c'est du make-up. Donc, je me suis pris un rouge à lèvres mat de chez MAC, de cette couleur-ci. Ensuite, je me suis repris le Pen Pot Soft Ocre. Vous savez à quel point je l'aimais d'amour. Si vous me suivez depuis des années, j'en ai un encore en haut. Mais là, il est vraiment... Ça fait des années que je l'ai sec de chez sec, le truc. Je l'ai curé, je pouvais plus là. C'était plus possible. Donc, je l'ai repris parce que pour moi, en base à paupières, j'ai les paupières vraiment grasses. Vous savez, quand je fais un maquillage, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui fixe le maquillage. Et en plus, ça aide aussi à estomper les fards, etc. Franchement, ça, c'est vraiment une merveille. Je le connais, je le reconnais. Voilà, j'en ai déjà essayé plein, mais celui-là, c'est vraiment celui que j'aime d'amour. Il unifie la paupière vraiment hyper bien. Donc voilà, de toute façon, vous verrez tout ça. Je me suis pris un petit gommage pour les lèvres. Non, c'est pas un gommage celui-là. Je dis des bêtises, c'est le baume pour les lèvres. Celui marshmallow. Non, mais ça, par contre, il faut que je le sente avec vous. Au moins que vous ayez une exclue ici sur YouTube aussi, quoi. Regardez comment c'est trop mignon. Oh my god. Oh my god. Sans malheureux. Ah non, mais à ça. À ça. Oh my god. Je sens que je vais en user et en user et en reuser. Donc c'est un baume pour les lèvres de la marque MCLA.
Voilà. Et il y en a à plein de goûts. Il y a cherry. Il y a quoi d'autre purée que j'avais vu que j'ai dit, oh purée, mais non. Ah, purée, c'était quoi celui que j'avais vu? Ah, j'arrive plus à me souvenir. Mais il y en a tout plein, tout plein, tout plein. Il y a même des gommages exfoliants. Il y a même un truc extrait pour faire le gommage, etc. Bref, c'est de la bombe. Et ensuite, je me suis pris le concealer parce que c'est ce que vous aviez choisi. Pareil, de chez MAC en petit pot. D'habitude, moi, j'ai vraiment l'habitude d'utiliser, vous savez, les correcteurs que vous tournez, là, hop, vous mettez, vous tamponnez et basta. Et là, du coup, j'ai pris celui-ci. Et je pense que niveau teinte, on va être pas trop mal. Pas trop mal, pas trop mal. Je pense que j'ai pris pile poil ma bonne teinte. Bon, bref, de toute façon, j'utiliserai pendant les make-up et je vous le montrerai, bien évidemment. Donc, voilà ce que je me suis pris dans cette petite commande-ci. Hop. Lui, j'ai hâte de le tester aussi avec le concealer comme ça. Là, je pense que ça va être super sympa. Et alors, lui, autant vous dire que j'ai encore plus hâte. Donc, c'est pareil. Hein, c'est à la base d'huile de chanvre, de CBD. Vraiment, en fait, toute cette marque, c'est que sur ça. C'est quelque chose qui est vegan et tout, éco-responsable au niveau du packaging, tout ça, même les flacons en verre, ce sont du verre et des plastiques recyclés, etc. Franchement, cette marque, j'en suis vraiment tombée amoureuse quand j'ai fait la certification et que je l'ai découverte, en fait, tout simplement. Et eux, là, je vais en prendre un maintenant, puisque c'est un par jour. Regardez, du petit bonbon. Donc, vous voyez, c'est tout mou comme ça. Ça a le goût de citron. Je peux pas vous dire mieux. Ça a le goût de citron. C'est bon. Très très bon. Donc vous voyez qu'il y a marqué sans THC. Hyper important. J'adore le goût. Très bon. Ça a le goût de citron, rien d'autre. Rien d'autre, rien d'autre, vraiment. Donc voilà pour cette petite commande. J'ai déjà hâte la prochaine. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y a encore plein de choses qui me donnent envie de vous présenter. De toute façon, dans la prochaine, je pense que je vais prendre une routine visage pour Allison. Pour ses boutons, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais d'autre tester? Il y a plein d'autres trucs que je voulais tester. Les gommages aussi pour les lèvres. Hyper important. Et puis là, avec la période qui arrive, bah, tout ce qui est crème pour les mains. Vous savez, crème hydratante pour le corps, etc. J'ai bien craqué sur celle de Absolution pendant les certifications. Mais il y a d'autres marques qui sont un petit peu moins chères en plus. Donc je me tâte. Voilà. Je vais me pencher un petit peu plus là-dessus. Et puis, de toute façon, voilà, aux prochaines commandes, je vous ferai voir aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu là-dessus? Donc, voilà. Allez, maintenant, je bosse. Vous savez pas quoi? On vient de me passer encore aujourd'hui une grosse commande. Merci beaucoup du fond du cœur, franchement, à vous toutes. Je ne sais pas combien de fois je vais vous le dire, mais les mots, ils sont pas assez forts en fait pour vous exprimer vraiment ce que je ressens. Et ce qui fait que je suis à même pas 100 points de l'objectif du gold. Donc, autant vous dire qu'il me manque une centaine d'euros pour faire mon niveau gold ce mois-ci. Et il me reste quoi, une semaine, on va dire. Je crois que si je l'atteins, mais je vais m'effondrer. Comme jamais. Rien que d'en parler, ça me fait monter les larmes parce que, mais vous imaginez pas la fierté que c'est pour moi en fait, vraiment. Là, aujourd'hui, je peux dire que je suis fière de moi, mais comme jamais j'ai été fière. Là, j'attends l'événement du 17, mais avec une impatience, mais ça va être fou. Ça va être dingue. J'ai mes hâtes, mais pff, comme jamais. Ça y est, c'est les vacances. On a récupéré Maïlys aussi. On est tous au complet. Il y a le chéri qui va arriver. Donc, elle est en train de goûter. Il n'y a pas de devoir à faire. Il n'y a plus de basket pendant les vacances, rien. Donc, tout le monde est tranquille. Même lui. Tu veux sortir, toi? Ben oui, évidemment. Ça faisait longtemps. Donc, j'attends que le chéri finisse. Je suis super contente. J'ai fini le visuel peau que j'étais en train de vous préparer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le mail groupé à toutes mes clientes et futures clientes qui arriveront plus tard. De toute façon, je leur verrai au fur et à mesure. Et donc, voilà, vérifiez vos boîtes mail. Peut-être que vous l'avez reçue sans faire attention. Et puis, voilà, je vais faire vite fait la petite vaisselle là, des tasses, du goûter et tout qu'ils ont fait. Et puis, je vais aller m'occuper
la machine aussi à plier et l'autre à mettre à laver, comme ça moi je serai à jour complet. Et voilà, faire partir le mail et on sera bon. On sera bon, on sera bon. Bon, écoutez, on est tous calés. Tout le monde est devant son téléphone. Elle aussi, Justina. Du coup, je vais commencer à monter ce vlog. Enfin, finir de monter ce vlog parce qu'il y a le début qui a été fait quand même. J'ai un live dans 10 minutes sur Insta pour du coup présenter la commande que je vous ai fait voir tout à l'heure. Et voilà. Voilà. On va. Je ne sais pas ce qu'on va faire, on verra. Et voilà, j'ai continué à renseigner quelques clientes. Je suis passée de 100 points qui me manquent à 70 seulement. Donc, c'est le moment de commander. Même si c'est une petite commande, c'est pas grave. Tout est bon à prendre. Bref, il me reste plus que 70 points. Je croise les doigts comme jamais. Et voilà, j'espère bien dormir ce soir parce que j'ai eu beaucoup d'émotions aujourd'hui. Et à chaque fois, ça me met un petit coup. Donc, j'espère que demain, ce sera pas trop compliqué. Donc voilà, allez, on clôture pour ce soir et on vous dit à demain. Les amis, on vous reprend samedi matin. Il est 10h moins le quart presque. J'amène Charlot au travail. Et ensuite, je trace directement chez Andrew. Allez, let's go. On se dépêche. En tout cas, on a un beau temps aujourd'hui. Franchement, ça fait bien plaisir. Sachant qu'en plus, il y a ma voisine qui voulait... Enfin, je lui avais proposé, si elle voulait qu'on aille balader, recharger un peu les batteries. Parce que voilà, elle aime bien, elle aussi, prendre l'air un peu dans la nature, etc. Et puis, se régénérer au niveau énergétique. Voilà. Et du coup, je lui avais proposé, si elle voulait, Nasser m'avait dit, bah écoute, si tu veux, va avec elle, comme ça vous partez au calme, tranquillement et tout. Moi, j'irai avec les petits faire un tour ou un truc comme ça. Mais bon, vu qu'il y a Madame Charlet à récupérer après son service, je sais pas comment on va faire. Donc je sais pas, on verra. En tout cas, il fait beau, donc il y a possibilité que. Voilà. Bon, les amis, je vous reprends. Il est un petit peu tard, du coup. Il est 13h, un truc comme ça. Je ne vous ai pas repris parce que j'ai vite amené Andrew. Donc voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis là, on a mangé. Midi, ça a été rapide. J'ai pris, vous savez, une boîte là, de pommes de terre déjà pré-cuites. Je les ai coupées en rondelles. Je les ai fait revenir avec du thon. On a cassé des œufs. On a mis des épices et tout. Et c'était très bien. Voilà, ça a bien suffi. J'ai pris un yaourt, un peu de fromage avec. Et basta. Pour demain, je pense que je vais sortir mes crevettes. J'avais des crevettes au congèle pour faire des crevettes à l'ail au persil, vous savez, avec des pâtes. Donc je pense que pour demain, je ferai ça, je vais les sortir maintenant, comme ça, avant de décongeler tout doucement. Et au moins, on fera ça demain soir, je pense. Et je suis allée voir ma voisine là pour qu'on aille balader un petit peu si elle se sentait. Donc tout le monde est en train de se préparer tranquillou. On va passer un petit coup d'aspi. Moi, voilà, je finis la vaisselle, etc. Et ensuite. Et ensuite, on décollera vers 14h tranquillement. Histoire de prendre l'air, profiter du beau temps. Il y a un petit vent qui se lève. Mais bon, il fait beau, donc ça va. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Bon, il est 16h, on est rentré de notre petite balade avec ma voisine. Du coup, il y a les trois loulous, ils sont venus avec nous. Le chéri, il est resté là pour aller chercher Charlet. Et là, ils vont aller faire un petit tour en vélo. Et il y a deux secondes, tu arrêtais pas de nous dire que tu étais fatiguée. Tu voulais rentrer. Oui, alors, fais pas genre, s'il te plaît. Franchement, ça m'a tuée. Ça m'a achevée, cette balade. L'air, en plus, il y avait un peu le petit vent là et tout. J'ai l'impression d'être complètement chou. De fou, j'ai une douleur à mon épaule alors qu'on a juste marché avec nos jambes, même pas avec les épaules. J'ai une douleur qui m'a appris depuis tout à l'heure, un truc de fou. Je me sens encore comme d'habitude là, quoi. Il y a quelque chose qui va sortir de cette épaule. Alors ma voisine elle me dit fais attention quand même, tu devrais faire regarder parce que regarde moi machin et tout, elle a je sais pas quoi qui est trop usé, genre son épaule elle va tomber à n'importe quel moment quoi, bref. Et elle me dit donc fais gaffe et tout. Je dis bah ouais, mais j'ai fait une radio, il n'y a rien. Elle me dit oui, mais niveau os, il n'y a rien. Mais niveau tout ce qui est tendons, tout ça, peut-être qu'il y a. Donc, c'est à voir. Et j'allais dire un truc, et je sais plus. Bref, sur le retour, j'avais l'impression de plus avoir de jambes, vraiment. Mais genre, mes jambes, elles marchaient, mais j'avais l'impression que c'était pas moi qui les guidais. C'était trop chelou. Bref, du coup, les loulous vont goûter. Mais non, pas maintenant. À quelle heure elle reprend, Charlie? Elle t'a dit ou pas?
Ah, t'as dit à quelle heure elle reprenait? 6h30. Et j'irai chercher un truc pour ce soir à ce moment-là. Donc, franchement, je pense que du coup, bah, je vais clôturer le vlog. Comme ça, je vais le monter, la partie qui me reste. Maman, j'ai faim. Et puis voilà. Ouais, mais dès que Maurice il a fini de passer mon cœur, parce que du coup, il a fait l'aspirateur tout à l'heure. Mais il a rallumé quand même Maurice en plus. Comme ça, il est sûr que c'est bien passé. Et oui, je te jure, il m'épuise. Bref, on vous laisse. On vous retrouve moi lundi et puis vous, bah, du coup, jeudi. Voilà. En attendant, portez-vous bien. Prenez soin de vous et on vous fait plein de bisous. Alors, juste ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là sur ma tête pour pouvoir t'abonner et suivre toutes nos aventures. Et juste là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite.